Elle dit que lui-même qui t'a fait mougoupan, tu l'as laissé. Lui-même, tu l'as laissé. Lui qui a pris ton sac et puis t'a manqué de respect. Et puis il a mis l'argent de d'autres dans tes femmes, dans le sac. Que toi, tu as souffert, tu as beaucoup eu la tort pour porter. Toi-même, ton sac, tu as payé pour donner à quelqu'un. Il a mis l'argent de d'autres de ta rivale de temps pour aller la doter. Lui, là, il ne mérite pas la prison. Non, pourquoi lui, tu l'as épargné? Normalement, c'est Safaré qui doit être en prison. Paye celui qui a pris ton argent. Il a pris ton sac à main. Il t'a fait venir. Il a mougou. Vous, vous êtes mougou. Et puis, il t'a jeté. Et puis, il a laissé Marie. Lui, il ne mérite pas d'aller en prison. Hein. Mais lui, tu le pardonnes. Lui, tu le pardonnes. Tu as pardonné Safaré là. Tu l'as pardonné. Dis-nous que tu as pardonné Safaré. Tu l'as pardonné, ma. À un moment donné, arrêtez d'être injuste. C'est pas parce que tu moins quelqu'un que tu vas t'attaquer à la personne. Moi, je pensais que quand tu partais à Abidjan, tu partais arrêter Safaré. Moi, je pensais que c'est Safaré mais qui allait être menotté. Et ce matin, on s'est rentré et te demander pardon pour Safaré. Parce que lui, il t'a mougou et il t'a jeté, c'est pas bon. Donc lui-même, tu dois te venger. Parce qu'il t'a fait un mougoupan très méchant, méchant. À 2 minutes de son mariage, il t'a utilisé. Il a pris ton dîner. Il allait compléter pour doter sa femme dans la paix du Seigneur. Les chaises et puis les bagues ne suffisaient pas. Huile était finie. Banane à loco, là, n'a pas suffi. Le poisson, là, le casier, là, n'était pas trop ça. Donc il avait besoin d'un dîner pour compléter, pour nourrir ses invités. Donc il Maraï est fini. Il a vu que tu ne vas plus lui servir à quelque chose.